TVA Abitibi-Témiscamingue, en collaboration avec les cases Desjardins de l'Abitibi-Ouest, sont fiers de vous présenter les capsules « Ma région, ma richesse ». Apprenez-en davantage sur les ressources de notre région et explorez les facettes des secteurs forestiers et de l'écologie, source d'importantes recherches en région. Pascal Bibeau, technicien formateur chez Rex Forêt. Le programme de création d'emplois s'adresse principalement aux Autochtones. Il est offert par Exforêt, à la grandeur du Québec. Le but de ça, c'est de former de la main-d'œuvre qualifiée dans les communautés autochtones pour qu'ils puissent s'impliquer davantage quand le nouveau régime forestier va entrer en vigueur. Ça apporte un bassin de main-d'œuvre compétent pour agir à titre d'ouvrier sylvicole dans plusieurs domaines. Ici, on est sur des broussailles, mais aussi plantation, abattage manuel, à peu près tous les aspects de la sylviculture. Et puis, ça apporte de l'emploi parce que la plupart des gens qui font cette formation-là sont reconduits dans des emplois dans un futur assez rapproché. Bien, moi, ça m'a apporté grand-chose pareil. J'ai suivi des formations pour gagner ma vie, mettons aussi. Et ça apporte un peu de gagne-pain pour ma famille aussi. C'est le même type de travaux que l'industrie pourrait faire là, sur leur CAF. Moi, je considère que les Autochtones, c'est quand même eux autres qui connaissent le mieux la forêt. Ils sont très écologiques et ont une approche très environnementale. On veut prendre un virage vert là, au Québec, donc c'est sûr que c'est des très bons alliés. Ma région, ma richesse, présenté tous les lundis et mercredis du 13 octobre au 20 décembre durant le TVA Nouvelles. Un regard nouveau sur les secteurs d'activité témiscabétibien qui représentent vos préoccupations.